Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, donc nouvelle vidéo consacrée aux cryptos, au Bitcoin et aux différentes actions qui peuvent être liées de près ou de loin à la blockchain. Donc évidemment, cette vidéo, on ne va pas dire ce qui s'est passé. Donc clairement, les volumes sont arrivés, on a eu le breakout par le haut et on est allé chercher. J'ai rien touché, hein. J'ai rien touché à l'analyse, je fais vraiment ces analyses-là en brut. Et donc du coup, vous voyez, j'avais tracé ça. Alors, à l'époque, ça n'avait pas l'air super probant, mais on est quand même allé le chercher. Donc pour le moment, 5 330 $, ça a l'air d'être la résistance. Et donc du coup, maintenant, il va se passer quoi? Il va se passer ce que j'adore, la temporisation, la construction. C'est moi ce qui me plaît le plus quand justement on a un premier signal et derrière on temporise. Et derrière, il peut se passer le second effet qui se coule, hein, je l'appelle comme ça. Donc c'est-à-dire de repartir, aller chercher les supports, bien accumuler et repartir un coup, ça se voit par, en gros, quand on a la contraction, la congestion qui se fait, la construction qui se fait avec une baisse des volumes, et derrière, quand ça repart, quand ça se relance, on a à nouveau une augmentation des volumes. Bon. Donc ça, c'est pour l'idée, bien entendu. Évidemment, si on casse ce niveau des 5 330 $, avant les 6 000, dont tout le monde parle déjà, hein, qui avait été 6 000, 6 500, qui avait été le gros niveau qu'on avait cassé par le bas à l'époque, je vois bien les 5 700 $, hein, donc à peu près, hop, cette zone ici. Donc 5 700 $, 5 750 $, bon, on n'est pas à 10 dollars près. L'idée, voilà, c'est que maintenant, on est en train de valider le retournement. Je vous l'avais dit la semaine dernière, si on arrive à casser par le haut, on se mettra en retournement. Vous le voyez au niveau des indicateurs graphes CO, hein. Donc en bleu, on était déjà en retournement. Là, c'était les pics de pré-signaux qui vous envoient une alerte. Et à partir de ce moment-là, là, à partir du moment où on a fait le breakout, ben, bim, on passe en vert, c'est-à-dire on passe en moindre risque, mais c'est le début du moindre risque. Donc il faut faire attention encore, puisque vous pouvez avoir du déchet, vous pouvez avoir de la volatilité, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc bien évidemment pour les court-termistes, c'est pas en journalier qu'il faut regarder, c'est en graphique 1 heure. Et pour les plus long-termistes, bah de toute manière, à partir du moment maintenant qu'on a fait ce breakout-là, à partir du moment où on va conserver ce breakout et que donc l'ancienne résistance devient support, on reste positif et petit à petit, tout va se concaténer, tout va se concentrer. Et donc derrière, il faudra voir si on est capable de faire la relance. Donc là, clairement, pour moi, c'est une phase d'observation, c'est une phase de construction. On va être au milieu du gué maintenant pendant un petit moment. Donc on a eu le boost. Éventuellement, on aura d'autres tentatives, etc. Mais je pars du principe que très certainement ces prochaines semaines, plutôt que tout exploser en ligne droite, parce que là c'est clair et net que vous allez revoir les titres Bitcoin à 20 000, Bitcoin à 50 000, etc. Là, j'y crois pas trop. Moi, je croyais bien à cette histoire-là de donner un petit coup et maintenant de concaténer. Et ça sera à la sortie de cette concentration-là qui peut durer. On sortira par le haut ou on sortira par le bas et c'est ça qui nous donnera le là pour la suite pour du long terme. Je parle là derrière pour parler du long terme. Donc, je pars du principe que sur cassure des 5 360, 5 330, pardon, on peut aller chercher les 5 700, 5 800 $. En extension, vous pouvez toujours aller, c'est spéculatif, donc évidemment, il n'y a pas de limite à la spéculation. On peut aller chercher les 6 300. Mais je ne pense pas qu'on ira bien plus haut. On a éventuellement cette oblique ici qui peut servir également de résistance. Mais il faudra quand même du fondamental derrière, il faudra quelques news. Or là, la hausse, j'ai l'impression, voilà, il y a eu un petit schmilblick sur les raisons de la hausse ou pas, etc. Moi, je pars du principe, voilà, le graphique a toujours raison. Donc après, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est attendre justement la consolidation, la construction et éventuellement une ouverture pour soit compléter ses positions de long terme, soit rentrer sur pullback si le pullback a lieu. En tout cas, voilà, cette zone des 4 300 $, 4 200 $ devient maintenant une zone de support qui sera intéressante donc de suivre. On a une autre zone de support qui est aux alentours de la zone des 4 600 $, ouais, 4 630 $ et des poussières. Donc voilà un petit peu maintenant, ça va être très intéressant bah, de voir la construction. C'est le moment le plus intéressant pour moi en tout cas quand j'analyse. C'est-à-dire de voir les chandeliers les uns après les autres et de voir la construction et donc de voir la congestion qui se met en place. Et derrière, de pouvoir dire, est-ce qu'on va avoir plus de probabilité de casser cette congestion par le haut ou par le bas? Et c'est ça qui nous donnera le vrai signal pour confirmer ou infirmer le pré-signal que nous avons aujourd'hui, donc d'un Bitcoin qui revient, qui met un terme à sa tendance baissière et qui maintenant va devoir, qui repasse neutre. Hein, ne pensez pas que on passe d'une tendance baissière à une tendance haussière. Non, on passe d'une tendance baissière, on fait une fin d'hémorragie comme on a fait là.
on casse cette fin d'hémorragie à la hausse et donc on passe en retournement. Et ça, c'est d'un point de vue long terme, c'est neutre. Et donc derrière, on attend la construction, la congestion. Ici, on casse cette neutralité par le haut. Là, on relance une tendance haussière. Et si on casse par le bas, eh bien, on se remet dans une tendance baissière. Donc c'est là, exactement, d'un point de vue purement long terme, on est dans cette congestion, dans cette construction qui va être hyper importante. Et c'est là justement où tout le monde se déchire. Il y a les protagonistes qui disent ça va monter à 20 000 dollars. Et il va y avoir les gens qui vont dire ça va pas tenir, c'est un bull trap, ça va repartir par la baisse. C'est normal. On est dans un phénomène de neutralité dorénavant. Et donc c'est normal que vous ayez entre guillemets 50-50 dans les opinions. C'est ce qui, bien évidemment, se reflète dans le marché qui va zigzaguer et qui va chercher à construire dans une certaine neutralité. Et c'est que quand on va casser, qu'on aura quelque chose, voilà, de bien probant. Donc moi, congestion, je pense, temporisation, congestion, et donc il va falloir voir tout simplement avec les prochains chandeliers. Il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. Pour les long-termistes, la position se conserve. Et pour les court-termistes, on attend, ils vont attendre tout simplement de voir comment ça va construire, pour voir quels sont les niveaux de support. Et puis si vous avez un breakout, acheter le breakout pour voir évidemment si on peut aller chercher les 5 700, voire plus vers les 6 000 dollars. Au niveau du Bitcoin Cash, ça se ressemble, c'est exactement la même chose. Donc j'ai rajouté le Bitcoin Cash par rapport à des demandes hein, qu'on m'avait faites. Donc voilà, il n'y a pas de problématique. Quand je peux l'avoir, en tout cas sur ProRealTime, il n'y a pas de problématique pour le rajouter. Donc c'est la même idée, vous voyez, on était dans une fin d'hémorragie, on casse par le haut, on amène les volumes. Bon, impeccable, hein. Donc là, le Bitcoin Cash, on voit, a beaucoup plus évolué. Beaucoup plus spéculatif que le Bitcoin classique. Il avait aussi pris une trempe beaucoup plus rapide que le Bitcoin classique. Donc, c'est proportionnel. Donc, voilà un petit peu. L'idée, c'est exactement la même. Je ne vais pas me répéter. Donc, dorénavant, c'est on temporise, on va chercher les supports, on va tenter éventuellement un nouveau breakout pour aller chercher un petit peu plus haut. Là, sur le Bitcoin Cash, vous voyez, la résistance est aux alentours des 400 dollars. Et derrière, pour moi, à plus long terme, ce qui va être intéressant derrière, c'est quand on va terminer cet épisode haussier, qu'on va consolider et qu'on va commencer à construire une figure. Et ça, derrière, si on est capable de casser cette figure-là par le haut, là, réellement, on validera les retournements haussiers beaucoup plus durables. Au niveau du Bitcoin Euro, pour ceux que ça intéresse, c'est exactement la même chose. C'est juste les niveaux qui changent, bien entendu, puisque c'est en euros. Mais d'un point de vue graphique, c'est exactement la même chose. Donc, paf, on a cassé par le haut, les volumes sont arrivés. Et donc, dorénavant, vous voyez, c'est la grosse zone jaune ici qu'on avait tracée à cette époque. Bah, c'est l'ancienne zone de support qui va devenir une zone de résistance. Et là aussi, congestion qui devrait se construire donc par rapport à cette zone de résistance, valider des niveaux de support. Et donc, tout, 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 on va construire là-dedans et c'est la sortie qui nous intéressera. Je vais réussir à arrêter de me répéter. Digital Cash, c'est pareil, on sort par le haut, on va chercher les anciens supports qui sont devenus résistance dorénavant. Certainement là aussi, on va construire. EOS, lui, avait donné déjà des pré-signaux à partir d'ici. On avait parlé la semaine dernière. À partir du 27 mars, on était déjà en train de valider le retournement. On revient taper dans cette zone, on voit là, qui est une zone de résistance aux alentours des 6 dollars, 6 dollars 30 éventuellement. Pareil, même chose. Ce qui va être le plus intéressant maintenant, c'est la construction, donc les prochains chandeliers et la congestion qu'il va y avoir lieu. C'est ça réellement qui nous donnera le là. Et l'Ethereum également, même chose. Hop, on est parti là, on est en train de trouver une résistance. Pouf, on construit. Et donc derrière, c'est est-ce qu'on est capable de sortir par le haut ou est-ce qu'on va recasser par le bas? C'est ça réellement la suite des opérations. Au niveau du Litecoin, pouf, c'est bien parti de Litecoin également. On voit ici, on avait déjà eu le retournement. Vous voyez, j'étais passé vert très tôt ici et là, on est passé en vert foncé. Donc lui, il a bien validé directement sa phase haussière. Par contre, pareillement, hein, on voit, on est en train de revenir dans cette ancienne grosse zone de support ici. Donc qui avait été résistance, résistance. Alors on va parler de zone, évidemment, on n'est pas au point près. Et donc là, vous voyez, paf, on est venu. Donc ça sert de résistance. Donc il va falloir pareil qu'on va gesticuler là-dedans et que derrière, on va commencer à construire. C'est ça qui va être super important et intéressant pour la suite. Le Monero, un petit peu en retrait, mais il a poursuivi le mouvement lui aussi. Il arrive également dans un niveau de résistance, éventuellement jusqu'aux 78 dollars, sinon construction à l'intérieur de cette zone-là avec les 55 dollars qui deviennent support. Au niveau du Néo, exactement la même chose. Vous voyez, on avait commenté cette congestion ici. Paf, on casse par le haut. On va chercher les résistances qui sont les anciens supports. On voit dans cette zone ici, là, tac. Et donc derrière, ce qui va être le plus intéressant maintenant, c'est la construction. Ça, je crois, à titre personnel, si vous voulez réellement une tendance haussière durable sur toutes les crypto-monnaies et que ça soit durable et que ça reconstruise un bon cycle haussier,
il faut que ça prenne le temps de la construction. Si ça part d'un coup berserk aux étoiles, c'est pas bon. C'est trop spéculatif et c'est pas bon. Hein. Je vous l'ai dit, maintenant, les cryptos, le lendemain des cryptos, c'est que si réellement on veut avoir des fondamentaux sur les cryptos, il faut que ça soit utilisé. Et pour que ça soit utilisé, malheureusement, il faut que ça devienne moins spéculatif, donc moins volatile, pour que réellement les commerçants et les personnes puissent l'utiliser. Parce que sinon, si du jour au lendemain, votre monnaie, votre marchandise, etc., c'est 20% de moins, bah, c'est pas gérable. Donc clairement, c'est ça aussi qu'il faut comprendre derrière le fondamental des cryptos. C'est que quelque part, toutes les personnes qui vous disent 20 000 dollars, 1 million, tout ce que vous voulez, ouais, et que maintenant ça va partir en skyrocket. Malheureusement, si ça fait ça, tant mieux, d'un point de vue spéculatif, si vous êtes spéculateur, mais d'un point de vue investisseur, d'un point de vue long terme, d'un point de vue croyance que les cryptos vont réellement avoir et devenir une alternative, ben c'est pas bon. C'est ça aussi que j'avais essayé d'expliquer dans d'autres vidéos. Donc ça serait bien, évidemment, que la volatilité baisse. Au niveau du Ripple, également, il a mis un peu plus de temps, mais il a fini par partir également. Et là, pareil, il est un peu plus volatile, on le voit. Et lui, pareil, il a besoin de construire. Donc il arrive sur des résistances, et là, il concatène. Et si on arrive à percer par le haut, ben, on va aller chercher la suite. Là aussi, retournement qui s'enclenche, on voit les volumes qui se sont réveillés. Je veux dire, il n'y avait pas eu de volume depuis très très longtemps sur les cryptos et on se disait, putain, c'est mort. Et là, clairement, on a les volumes qui sont vraiment revenus. Donc, c'est un signe également que les investisseurs sont là. Ils attendaient juste patiemment les bons signaux de validation pour éviter justement de rentrer trop tôt. Au niveau du Stellar, même chose, on avait cassé cette oblique-là, on avait bien consolidé ici. Là, on refait un break. Voilà, il y a cette zone-là des 14, 15 centimes de dollars qui est une zone de résistance. Au niveau des actions, on va faire d'abord le Bitcoin, alors le GBTC. Potentiellement, il y aura d'autres trackers, on l'a vu, avec des annonces, des fausses annonces. Enfin, on ne sait pas trop. J'ai pas trop suivi à titre personnel. Si dans les commentaires, vous avez un peu plus suivi que moi, n'hésitez pas à mettre un petit peu de lumière sur cette histoire-là. En tout cas, le GBTC, bah, lui aussi, il a fait son breakout et dorénavant, il a atteint ses résistances et il est en train de revenir travailler ses supports. Et donc, comme le Bitcoin, maintenant, il va construire sa neutralité dans une figure justement de congestion. Et donc c'est la cassure à la hausse ou à la baisse qui va nous donner le là. Au niveau des actions, bon, il y a toujours Riot hein, qui a continué, avait bien consolidé ici, là, boum boum, c'est bien reparti au niveau des 5 dollars. Graphiquement parlant aussi, ça va être très intéressant cette zone des 3,50$, 3,60$ comme support. Ça reste bien entendu spéculatif, on est d'accord. Arcos, c'est un peu plus tiré par les cheveux la connexion avec le Bitcoin, mais on voit qu'on a une tentative de rebond technique actuellement avec un petit peu de volume. Ça reste spécu. Bitcoin Group qui est cotée en Allemagne, là, elle réagit très très bien au Bitcoin. Donc il faut la préférer si vraiment on veut avoir une action qui est liée au Bitcoin. Bon, elle est cotée en Allemagne et si on ne veut pas les marchés américains, bah, c'est celle-ci qu'il faut préférer. Et on voit là tout de suite bah, l'explosion, on en avait parlé la semaine dernière, hein, donc sur cassure de cette oblique, paf, l'explosion, les gros volumes qui arrivent, là derrière ça va devoir digérer comme le Bitcoin et la construction va être super intéressante à suivre justement pour les plus long-termistes. Hein. Et derrière, bon, Marathon, c'est exactement comme Riot, hein, on voit cette zone de gap qui devient une zone de support. Et ensuite, Blockchain Group, ça c'est un peu plus spéculatif, il n'y a vraiment pas beaucoup de volume, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on est exactement dans le même tempo. Si ça casse cette oblique-là, on peut penser qu'on peut revenir vers la zone des 25 centimes d'euros, 20, 25 centimes d'euros en total spécu, bien entendu. On est vraiment sur du ultra spéculatif. Donc voilà un petit peu, donc taille de position adaptée. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire cette semaine. On a eu la cassure, maintenant, clairement, temporisation, construction, voir un petit peu comment ça se construit. Évidemment, si ça ne construit pas et que ça part berserk vers le nord, ben, tant mieux pour ceux qui sont spéculateurs. Mais comme je vous l'ai dit, pour un long-termiste, si on veut vraiment une hausse qui soit plus durable, il faut qu'elle soit plus graduelle. Et donc, moi, je préfère qu'elle construise. Donc là, clairement, ces prochaines semaines, bien évidemment, il va y avoir encore des pics haussiers, etc. Mais on va se chercher, on va construire une figure. Et cette figure-là, ça sera la figure de congestion. Et c'est ça qui sera super important pour la suite, donc la casser à la hausse ou à la baisse, qui donnera véritablement le signal maintenant. Qu'on a eu les pré-signaux de retournement et qui donnera le signal de confirmation. Hein. Et la confirmation, c'est le plus important. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. D'autres cryptos que vous suivez, etc. Bien entendu, hein, je ne peux pas tout suivre non plus. J'essaye de faire les plus connus, on va dire, entre guillemets. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir pour la revue Marché et Action. Et excellent week-end à vous les graphes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut, à tout à l'heure dans les commentaires pour discuter
un peu plus des différentes infos que vous avez. Salut les graphes!